jamais arrivé dans l'histoire du monde que la technologie avance avec telle vitesse. Et le résultat, c'est que toutes les structures sociales mondiales sont bouleversées. Je ne pense pas qu'on puisse continuer, c'est ça le sujet de mon livre « Le siècle des menaces ». On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Quoi que racontent nos dirigeants de quelque partie qu'ils soient. Il n'y a rien à faire. L'humanité va dans le mur et on n'y peut rien. Et ça, c'est le genre de considération qui échappe au public complètement. Plus de productivisme ou de consumérisme ne peut pas guérir les maux du consumérisme. Plus de productivisme ou de consumérisme ne peut pas guérir les maux du consumérisme. Et je ne suis pas pour l'apocalypse, pour la colère, pour la catastrophe, etc. C'est pas du tout ça. Je dis simplement, voilà quelle est la situation. Elle est très simple. Vous avez une quantité finie de ressources, et cette quantité finie, elle sera à un moment ou à un autre consommée. Il y a beaucoup de controverses. Des gens qui disent mais non, pas du tout, ça va s'arranger. Alors, on dit, l'homme s'en est toujours tiré. Voilà, ça c'est le raisonnement classique. On a toujours trouvé des solutions, on va s'en tirer, donc les gens qui parlent d'épuisement se trompent. La controverse est là. Mais je crois que c'est pas vrai. Nous sommes dans une situation jamais vue. On ne peut pas dire l'homme s'en est toujours tiré. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Les pénuries seront aggravées par la science, la technologie ou au travers de ce qu'on pense. Et donc, et c'est vrai, mais ce qui est arrivé, c'est que la machine s'est emballée. Personne n'avait pensé, quand j'avais 20 votre âge, personne ne pensait que la machine allait s'emballer. Oui, je sortirai de ce monde où l'action n'est pas la sœur du rêve.